Bonjour tout le monde, me revoilà. <laughs> je ne suis pas partie tellement longtemps. Euh, mais il me semblait juste en fait. Euh, parce que j'ai quand même pas mal de messages euh, à vous faire passer euh, dans cette petite vidéo. Petite, longue, je ne sais pas du tout, en fait. Euh, mais vous m'avez manqué. <laughs> ça me fait plaisir d'être là. Euh, je suis un peu stressée, oui et non. Euh, mais ça m'a fait du bien moment de pause m'a euh, fait du bien alors euh, on va se poser un petit peu sur 2022 message de fin d'année euh, ben déjà je voudrais euh, ben, commencer par vous remercier pour votre présence votre bienveillance euh, souhaitez la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de cette année parce que vous êtes nombreux, malgré tout, à vous être, à, à avoir rejoint la communauté de l'essence sacrée de l'âme. Et, euh, et, et puis, je vous ai découvert en live, et, et ça a été pour moi un cadeau de l'univers. Faire ces lives avec vous, ça a été un cadeau. Euh, vous êtes un cadeau pour moi. <laughs> vous me faites grandir tous les jours, et, et cette chaîne me fait grandir euh, depuis trois ans donc euh, voilà petite minute juste pour vous et, et vous remercier de votre présence votre bienveillance votre amour et, et, euh, et, et l'être unique que vous êtes chacun vraiment vous êtes chacun unique à votre manière et, euh, et, et c'est beau en fait hein, de vous voir, euh, de vous voir euh, rayonner dans cette dans cette authenticité et et dans les lives, euh, ce que je remarque le plus, c'est euh, euh, que vous osez être vous-même. Vous, vous n'avez pas peur, en fait. Et, et ça, j'adore. Euh, c'est un peu le but de cette chaîne. Donc voilà. Alors, euh, je me souviens de ma première guidance de cette année. Euh, de cette vision euh, que mes guides euh, m'ont donnée qui, euh, au bout euh, de ces 12 mois, de ces 365 jours, est, est absolument juste. Cette vision, pour ceux qui ne l'ont pas entendue, c'était euh, la traversée de Jésus dans le désert pendant 40 jours. C'est la vision qui m'avait donnée euh, pour 2022. L'épreuve euh, que, que, que cet homme a, a, a vécue. Euh, en traversant ce désert pendant 40 jours et, les, et, et, et tout ce qu'il a pu vivre comme expérience, c'était vraiment la vision qui m'avait donnée pour cette année de 2022. Et, euh, et elle est très juste euh, dans le sens où ben, cette année, euh, on, a, euh, on a traversé notre propre désert, on a traversé nos propres ombres, euh, nous avons transcendé... Euh, de moi en moi, des parts de nous, et, et nous avons alchimisé en nous des choses euh, incroyables, chacun à notre niveau. Euh, les, les expériences, les, les, les épreuves euh, que, que nous avons traversées cette année n'ont fait que de peaufiner euh, l'être que nous sommes. Ça nous a emmenés vers une spiritualité plus élevée vers un niveau de conscience plus haut, euh, une conscience de soi beaucoup plus proche de qui nous sommes à l'intérieur, et euh, une vérité qui euh, qui au fur et à mesure des mois prenait de plus en plus de place. Mais cette vérité, c'est notre vérité intérieure et où on ne laissait plus euh, la place euh, ben, à, à nos masques. Euh, à, au jugement extérieur, euh, à nos illusions. On a dépassé certaines, certaines, certaines strates de notre être. Cette année, c'était assez incroyable. Un petit peu à l'image de, 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 de cette vision que j'ai pu avoir de, de Jésus qui, qui, qui passe ses 40 jours dans le désert et, et, euh, et c'est magnifique quand je vois au jour d'aujourd'hui la personne que je suis et je vous invite euh, vous également à, à faire ce bilan de, 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 euh, de cette année mais dans le côté positif des choses c'est à dire regarder toutes les épreuves lourdes et douloureuses <coughs> <coughs> pardon que vous avez traversé cette année et euh, à travers lesquelles vous avez euh, grandi vous vous êtes éveillé à vous même ou vous vous êtes éveillé à quelque chose euh, regardez le côté positif de toutes ces situations négatives et, et de, de prendre en compte la personne que vous êtes devenue à travers tout ça. C'est super important parce que, parce que cette année a été une année un peu préparatoire pour 2023. Euh, je ferai une autre vidéo pour 2023, euh, pas maintenant, euh, mais c'est une année préparatoire. Nous passons du 6 au 7, comme je vous l'expliquais dans l'équinoxe, on passe vraiment d'un monde matériel à un monde immatériel euh, de l'illusion à la désillusion euh, et, et cette année euh, préparatoire de 2022 a été euh, intense violente euh, magique parce que, parce que au final l'univers nous guide, notre âme euh, nous ont porté tout au long de Enfin, je veux dire, il y a des moments où on a pu se sentir un petit peu euh, abandonné, mais, mais au final, on ne l'était jamais. Les moments où on, était, où on se pouvait se sentir, entre guillemets, abandonné de nos guides, c'est peut-être les moments où on était dans une illusion. Peut-être des moments où on était dans notre ego blessé, dans nos émotions, euh, dans notre mental, dans le euh, je dois, il faut. Et, et peut-être dans tout ce... ce toutes sortes de mécanismes et schémas limitants qui nous empêchaient de voir euh, peut-être les mains qu'on nous tendait à l'extérieur. C'est pas grave, tout est juste. Il n'y a que dans l'expérience de l'existence qu'on qu apprend en fait. Ce n'est pas dans les livres, dans des vidéos ou autres euh, supports euh, numériques et écrits que euh, nous vivons notre spiritualité. Non. Notre spiritualité se vit d'expériences, d'expériences de vie, euh, et beaucoup encore à l'heure actuelle ont du mal à accepter l'expérience d'être un être humain, cette expérience de vivre sur terre. Beaucoup euh, se disent oh là là, moi j'en ai marre, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer chez moi, donc ils veulent mourir hein, en fait, ils veulent, euh, ils en ont marre de, de, de cette de, de, de cet emprisonnement, en fait, matériel. Mais cet emprisonnement matériel n'est que mental. Tout est illusion. La douleur est une illusion. La douleur physique, émotionnelle, tout ça, ce sont que des illusions. La souffrance n'est qu'une illusion. Du mental et euh, de la matrice euh, de ce qu'on vit, en fait, en 3D. Je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que j'expérimente depuis... À un moment, euh, justement, cette illusion de la douleur, euh, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Mais vous savez, plus vous vous focalisez sur quelque chose, donc sur une douleur, par exemple, ou sur le manque, euh, plus celle-ci va prendre de la place. Mais si vous focalisez votre esprit sur quelque chose de plus léger et de plus positif, vous verrez que la douleur et la souffrance prend moins de place, c'est ça qui est incroyable. Et c'est dingue que j'arrive là-dessus, mais mais c'est vrai en fait. Et cette année nous a montré chaque jour à travers l'adversité que la résilience est possible. Cette année était une année de résilience, de transformation, de paix intérieure, de retour au cœur. Et vous êtes retourné à vous-même. Cette année a été une, une, une année de relations. Le 6 en numérologie, c'est vraiment le relationnel. Et donc, on a pu voir au fil des mois euh, les relations euh, que nous avons ou que nous avions, que ce soit avec des amis, avec la famille, euh, au niveau du professionnel, au niveau de nos enfants. Euh, nos animaux, mais surtout la relation qu'on a avec nous-mêmes. Pour moi, euh, cette année m'a fait grandir justement à ce niveau-là. Euh, le relationnel à moi-même. Comment est-ce que je me comporte avec moi-même Est-ce que je m'écoute réellement ou est-ce que je me sacrifie Il y a. La, la, la relation que nous avons avec nous-mêmes est celle sur laquelle nous devons euh, mettre un point, vraiment un point d'exclamation. Vous êtes la personne la plus importante. C'est vous, en fait. Vous, pouvez, vous avez pu vous rendre compte que cette année, les personnes avec qui... Euh, Enfin, il y a eu beaucoup de personnes hein, cette année, euh, beaucoup de relations, beaucoup de... On a lâché beaucoup de choses. On a osé s'exprimer, osé se positionner, reprendre notre pouvoir intérieur. Cette vérité, encore une fois. Cette vérité qui ne fait que de s'exprimer, de s'accroître au fil des mois de cette année, vous a permis de voir... Euh, les personnes qui étaient dans l'équilibre de la relation. Ok. Ça vous a permis aussi de. d'observer, de vous observer euh, en conscience de comment vous réagissiez aux choses de vos blessures, de la manière dont vous les accueillez, dont vous les observez. Cette année a été très intense. Ok, les énergies euh, actuellement sont euh, depuis, euh, depuis le solstice et, et cette fameuse nouvelle lune, hein, sachant que nous sommes en plein Mercure rétrograde aussi. Alors, je m'étais trompée en fait sur la la vidéo des flammes jumelles, mais c'est pas grave. Euh, J'ai une belle âme euh, qui a euh, remis l'église au milieu du village euh, dans les commentaires. <coughs> et nous commençons avec Mercure rétrograde. Beaucoup de personnes, voire 95% de la population euh, au niveau spirituel, développement personnel, etc., enfin, dans ce monde, euh, regardent Mercure rétrograde comme, euh, comme Satan. Comme Satan, comme euh, le truc à, à ne pas avoir euh, dans l'année, alors qu'il y a tellement d'autres planètes qui ont beaucoup plus d'impact. Alors certes, Mercure rétrograde, est un moment d'introspection à certains niveaux en fonction de là où elle rétrograde. Ici, elle rétrograde en Capricorne. C'est un signe de terre, c'est un signe de justice, c'est un signe qui remet les choses à leur juste place. Euh, si, si on arrive à, à regarder Mercure dans son sens positif, euh, pour moi, euh, qu'elle arrive ici et maintenant le 29 décembre et, et qu'elle est euh, entre 2022 et 2023 est pour moi vraiment euh, une forme de, de transition introspective entre les deux, les deux années. Et l'univers est tout juste, tout est toujours juste, c'est assez incroyable. Et, et je le vois au fur et à mesure de mes guidances cette année, et que je... je, je... Je, je vois et je perçois comme, comme tout s'est mis de manière tellement, tellement exacte euh, dans tout ce que j'ai pu faire, dans toutes les énergies, et, et tout se suivait dans, dans, dans un rythme plus ou moins égal. Et, et Mercure rétrograde, ici, en fin d'année, c'est un moment où vous avez l'opportunité de regarder dans la matière dans la matière, dans ce que vous faites au quotidien, dans vos habitudes de vie, dans vos relations, dans qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus, qui est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que je laisse derrière moi. C'est un moment où euh, vous avez cette opportunité de faire un volte-face avec vous-même et de me dire, tiens, qui est-ce que je veux devenir Quelles sont les choses que je peux mettre en place dans la matière pour être cette personne euh, que je veux devenir Mercure, rétrograde, euh, oui, effectivement, elle a son lot de blocages, effectivement, au niveau informatique, il faut faire attention, au niveau des réseaux, il faut faire attention, au niveau de la communication aussi, euh, les déplacements, si vous devez vous déplacer, oui, effectivement, c'est des moments où il y a le plus d'accidents, euh, c'est un moment où le courrier, l'administratif prennent plus de temps, mais c'est tout <laughs> C'est tout en fait. Et, euh, et si on pouvait regarder toutes ces énergies comme des choses euh, où il y a une opportunité derrière Vous savez, pour le moment, je sens qu'il y a énormément de gens dans la dépression, euh, qui retombent dans leurs ombres, euh, qui ne euh, vont pas bien, qui sont euh, en repli sur eux. Et, et qui, euh, qui ont l'impression en fait de retomber euh, dans leurs propres abysses et qui euh, se jugent, s'autoflagellent et, et, et disent qu'il n'y que, que a plus rien qui va, qu'ils veulent retourner sur leur propre planète ou, ou que sais-je, ou qu'ils se renferment en fait dans leur douleur. Vous êtes en fait dans une désillusion. Euh, c'est une période actuellement où euh, c'est comme si l'univers mettait en lumière tous les recoins dans lesquels vous étiez dans l'illusion de quelque chose. L'illusion d'une attente, l'illusion d'une relation, l'illusion d'être guéri de certaines de vos blessures, l'illusion de... Euh, ça peut être un tas de choses en fait. Euh, et là, vous... peut-être même l'illusion d'une de, 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 forme de spiritualité, une illusion d'une du, du, forme de croyance, euh, d'une forme d'espérance, de, d'une forme de foi. Et, et là, c'est comme si tout s'écroulait autour de cette personne-là. Et, et, et en fait, ce n'est pas que tout s'écroule. Le, le truc, c'est que... On, on est venu vous montrer que vous vous trompiez, que vos croyances n'étaient plus alignées ou ne sont, ne, ne sont pas alignées avec qui vous êtes. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est déconstruire pour reconstruire. Et vous déconstruisez, vous reconstruisez, vous déconstruisez, vous reconstruisez. Sortir des illusions est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Cette année, on est passé d'une illusion à une autre. Mais sachez une chose, c'est que quand, on, quand nous sommes dans un cheminement de développement personnel, nous passons notre temps à ça. Jusqu'à un moment où vous savez qu'il n'y a plus de croyance à avoir. C'est à ce moment-là que vous êtes libéré de vous-même. Le moment où vous savez que tout est possible. Le moment où vous prenez conscience que toutes vos structures peuvent du jour au lendemain et quand je parle de structure, je parle de, de votre éducation, de vos croyances, de vos espérances, euh, de, de, de vos schémas mentaux, de ce que vous avez construit au niveau matériel. Le moment où vous allez le plus grandir, c'est le moment où vous allez lâcher tout ça. Lâchez, lâchez vos croyances, lâchez euh, votre mental. Beaucoup de personnes pensent qu'être spirituel, euh, c'est la méditation, c'est changer d'alimentation. Devenir végétarien, je deviendrai spirituel. Euh, je vais faire du développement personnel, c'est spirituel. Euh, je vais commencer à lire certains livres, c'est spirituel. Euh, je vais faire de la sauge, c'est spirituel. Je vais tirer les cartes, ça c'est vraiment hautement spirituel, hein, parce que je crois croire que je reçois des messages de mes guides. La spiritualité, ce n'est pas ça. La spiritualité, c'est l'expérience de l'existence. Acceptez aussi que votre âme a besoin de cette expérience humaine. Lâchez vos livres, lâchez votre sauge, lâchez vos cartes. Écoutez votre corps. Écoutez-vous, observez-vous. Cessez de chercher à l'extérieur. Il n'y a pas une ou deux ou trois spiritualités. Il n'y a que la vôtre. Votre spiritualité est juste en fonction de vous. La spiritualité, c'est l'élévation de votre esprit, l'ascension de votre âme. Pas avoir 15 000 pierres, 10 000 oracles, commencer à faire je ne sais combien de soins et, et commencer à lire des livres ou, ou que sais-je, faire de la méditation. J'ai jamais médité. L'élévation de votre esprit se fait dans l'expérience que vous vivez au quotidien en conscience. C'est comme ça que vous allez grandir le plus. Alors certes, parfois nous avons besoin d'accompagnement, de personnes extérieures qui peuvent avoir un discernement différent sur notre situation, parce que vous savez, quand nous sommes trop proches d'une situation, nous ne pouvons pas voir avec de la hauteur euh, les tenants et aboutissants de cette situation. Donc oui, se faire accompagner et se faire aider, certes. Mais la spiritualité, c'est déjà d'accepter que vous êtes sans être humain. D'accepter de déposer vos valises là où vous êtes. À accepter votre réalité. Et la désillusion et la douleur que beaucoup ressentent actuellement, elle est là. C'est que la réalité dans laquelle ils vivent est douloureuse et souffrante. Et c'est ça qu'on essaye de vous montrer quand vous souffrez. Regarde ce qui te fait souffrir. Tu attends quoi Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre une date. Arrêtez d'attendre une pleine lune. Arrêtez d'attendre les autres. Arrêtez d'attendre une relation. Arrêtez d'attendre d'être le meilleur. Arrêtez de, de vous... De, de... Oui, c'est ça. C'est quand je serai comme ça, j'irai mieux. Quand j'aurai ça, tout ira bien. Quand mon autre sera revenu, tout sera parfait. Mais votre vie est parfaite ici et maintenant si vous le désirez. Arrêtez d'attendre un week-end, arrêtez d'attendre vos vacances, arrêtez d'attendre Noël pour célébrer votre vie. Votre vie se célèbre tous les jours. Tous les jours, vous mourrez, vous renaissez. Tous les jours, vous avez cette opportunité de renaître à vous-même. Le souci des personnes qui vont pas bien pour le moment, c'est surtout cette attente de sortez s'il y a des choses qui vous bloquent, s'il y a des choses qui ne vous rendent pas heureuse, sortez, bougez. Faites en sorte que ces choses avancent. Mais le fait de ressasser ça dans votre corps, dans votre tête, ne va pas vous aider à aller mieux. J'en ai beaucoup. Hein. Oui, ce portail-là, cette pleine lune-là, il y en a beaucoup hein, qui, qui, qui qui sont comme ça et, et et ils se disent, ah mais la prochaine pleine lune, ce sera la bonne. Ah oui, mais il y a ce portail-là, je suis sûr que... Ah mais je vais faire ça comme ça et au final il se passe rien parce que l'être humain et ça n'est pas péjoratif c'est pas un jugement mais on a tous été comme ça j'ai été comme ça à un moment donné il y a des années d'ici j'étais comme vous enfin j'étais comme beaucoup euh, à me dire ah oui chouette il y a ça ça va m'aider à hein. non la seule personne qui peut vous aider c'est vous-même N'attendez pas une date. N'attendez pas un portail. Vous savez, les énergies en place, ok, d'accord, elles sont en place. Mais, mais si vous n'intégrez pas ces énergies, si vous ne vous boostez pas un petit peu, vous savez, j'ai cette phrase qui me vient, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Mais si vous restez dans votre fauteuil toute la journée, il va se passer quoi dans votre vie à quel moment vous laissez la place à l'univers de, de vous accompagner en fait dans votre cheminement Il y a toujours cette... Euh, c'est ça, c'est ça, c'est incroyable parce que j'ai beaucoup de gens comme ça, hein, oui mais le ciel et tout ça. Vous savez, j'ai cette petite histoire de cet homme qui est, euh, qui est naufragé au milieu de l'océan et, et qui demande de l'aide à Dieu et qui dit « Dieu, euh, j'ai besoin de ton aide, sauve-moi » Enfin, je n'ai plus exactement les mots de cette histoire, mais elle était incroyable. Et euh, donc Dieu entend son appel et euh, lui amène un navire, un bateau en fait, euh, qui, qui vient à, à ses côtés, euh, ben, justement pour sauver ce naufragé. Et euh, le, le type, il dit, non, 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 euh, j'attends, Dieu a dit, il va venir m'aider, euh, j'ai prié et, et j'ai fait mes demandes, j'ai posé mes intentions, Dieu viendra me sauver. Ok, donc le navire s'en va il reste encore quelques heures euh, sur, euh, sur son truc de naufragé hein, sur sa petite barque et euh, il, il continue de prier, de poser ses intentions et, et de louer Dieu en fait l'univers qu'importe comment on vous l'appelez. Et euh, là il y a un hélicoptère qui arrive et toujours il refuse. Au bout de quelques jours cet homme est décédé en plein milieu de l'océan tout seul, se retrouve, Face à ce, à ce Dieu, dans ce, ce qu'on va appeler le jugement dernier, et il dit « Oh, moi euh, je t'ai appelé, t'es pas venu. » Et Dieu lui répond « Mais si, je t'ai envoyé un bateau et un hélicoptère, tu ne les as pas pris. » Là où je veux en venir, c'est que euh, je, je vois, que ce soit dans mes accompagnements, dans mon entourage, dans mes amis, dans ma famille Beaucoup de personnes qui disent Oui, mais ça ne va pas, j'ai lu tel livre, ça ne fonctionne pas, tu m'as dit ça, ça n'a pas fonctionné, il y a eu ça, ça ne va. Et je leur demande toujours Mais est-ce que vous avez fait quelque chose Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est venu à vous et, et à chaque fois c'est la même réponse Oui, mais euh, je pensais que non, ça va pas se faire tout seul. Non Prenez votre vie en main, acceptez que, que vous êtes un être humain, que vous avez une vie d'être humain. Vous pensez que je passe mes journées à quoi J'ai ma vie totalement normale. Alors, oui, je suis quelqu'un de spirituellement élevé, je suis médium, j'ai mon canal, mais j'ai une vie totalement banale. Je ne m'amuse pas à méditer 20 fois par jour, euh, euh, je. Je fais faire mes courses comme tout le monde, je mange comme tout le monde, je bois mon verre comme tout le monde, je fume, euh, je bois mon café, euh, j'aime déconner, je fais des soirées hardcore parce que ça, c'est mon kiff. Encore, ça fait trois ans que j'en ai pas fait. Si vous étiez venu sur Terre pour être Bouddha, vous ne seriez pas là. Vous seriez dans, dans, dans un temple bouddhiste ou dans un truc... Euh, vous êtes là pour vivre votre vie. L'expérience de l'existence, c'est ça la spiritualité. Élevez votre esprit, nourrissez-le, nourrissez votre âme de joie, d'émerveillement, de curiosité. M Arrêtez de vous prendre la tête avec le karma, les schémas, les trucs. Alors oui, il faut en prendre conscience. Prendre conscience, et je dis bien, il faut, c'est prendre conscience de soi. Prendre conscience que sa pensée a un impact sur notre réalité. Prendre conscience que la manière dont vous parlez a un impact sur votre, sur votre relationnel, sur votre réalité et sur comment les choses vont venir. Ce que vous vibrez, vous le créez. Ça c'est important, mais le reste n'a pas d'importance. Arrêtez de vous prendre la tête, sérieux, foutez-vous la paix. Ça me fait penser à cette vidéo que, que j'ai faite il y a quelques semaines, mais foutez-vous un peu la paix. Vous êtes mal parce que vous restez renfermé et vous pensez que le développement personnel n'est que souffrance. Mais ça, c'est votre croyance à vous. Alors oui, transcendez ces ombres, aller vers ces blessures. C'est pas quelque chose de... Mais arrêtez de voir ça comme un travail. C'est pas un travail. C'est une amélioration de vous-même. Je prends toujours cette image du diamant brut qu'on vient façonner. Et c'est vrai que le diamant, euh, pour pouvoir avoir toutes ses facettes, passe par un processus de transformation qui est violent. Mais si vous ne regardez que la violence et la souffrance, il n'y a que ça qui va vibrer en vous. Tout ça pour en venir au fait que... Ce que je ne supporte pas dans le courant New Age, parce que je ne supporte pas ce courant New Age, de la spiritualité, c'est que. On vous dit qu'il faut souffrir pour grandir. Alors, oui, effectivement. Effectivement, c'est quand on se ramasse plein de claques qu'on se rend compte de certaines choses. Mais plus vous êtes conscient de vous et de ce qui se passe, moins vous allez souffrir. La souffrance la plus violente, c'est le moment où vous sortez de vos illusions. Et ces illusions ont plusieurs étapes. Vous savez, vous avez votre nuit noire de l'âme. Déjà, c'est la plus grosse sortie de vos illusions. Et puis, petit à petit, dans, dans, dans cette transformation, vous, vous, vous allez grandir. Et puis, à un moment donné, ou le level, hein, si vous, prendre ça un petit peu comme un jeu vidéo, hein. vous avez le premier level, ou ben déjà ce n'est pas évident, et puis vous passez en second level, et, et, et là, vous retombez euh, sur des épreuves compliquées, pas évidentes, mais c'est parce que vous avez grandi entre le premier et le deuxième, ou entre le premier et le cinquième level, vous avez grandi. Et donc, effectivement, les épreuves sont enfin, les expériences que vous vivez les épreuves les expériences que vous vivez sont à la hauteur du niveau auquel vous êtes mais tout ce que vous traversez à l'heure actuelle est juste en fonction de vous-même vous ne retombez pas en une noire de l'âme vous sortez de certaines illusions et ça c'est douloureux parce que certains Croient qu'ils ont grandi, que ça y est, ils... voilà. Et puis ils se ramassent une claque, ils disent Oups, <laughs> ah non, peut-être pas. Mais ça, c'est l'être humain. Nous sommes humains. Et cette désillusion se fait par couches. On ne peut pas tout enlever d'un coup. C'est pour tout pareil, que ce soit dans votre relationnel, dans votre développement personnel, dans votre spiritualité. Dans, dans envers vous-même dans la relation envers vous-même mais c'est ça qui vous fait grandir et oui je sais que certains en cette fin d'année sont épuisés cette année a été éreintante a été fatigante nous a mis euh, dans tous les sens du terme euh, ça a été assez violent et j'en ris euh, maintenant parce que parce qu'au final je trouve que cette année a été euh, une année magnifique. Mais effectivement, beaucoup de personnes souffrent euh, parce qu'ils étaient illusionnés. Faut que, pour par exemple les flammes jumelles, euh, je le vois en consultation. il euh, y, y, a, y a une brise qui qui s'est fracassée et beaucoup prennent conscience que ben oui, l'autre n'est qu'une autre version de moi et peut-être ne reviendra jamais. Et bam, ça fait mal parce qu'il y a cette croyance qui a été nourrie jour après jour que l'autre reviendra. Mais est-ce que ce sont des informations extérieures qui vous ont dit ça, ou votre cœur, ou votre mental, ou votre ego blessé? Vous pouvez être dans l'illusion de vous-même par rapport, parce que imaginons que vous récoltez euh, fin de cette année pas mal de, de choses assez négatives euh, de, de, par rapport à des situations dans lesquelles vous avez mis en place certaines choses, et là, vous vous rendez compte que tout est négatif. Mais est-ce que vous avez fait le bon choix Est-ce que vous n'étiez pas dans l'espérance d'une croyance ou dans une illusion <coughs> de quelque chose Étiez-vous réellement aligné à vous-même Et on peut le voir au niveau relationnel, on peut le voir sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel de soi. C'est pour ça aussi que j'ai pris un, un, un petit temps de, 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 de pause, entre guillemets, hein. ça n'a pas été très très long, mais moi aussi j'avais un décalage entre moi-même et moi-même. Entre le moi-même d'il y a dizaine d'années et le moi-même de maintenant et vous savez il y a toujours des, des restes <laughs> des restes de votre mental et de de, 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 de vos certaines de vos blessures qui, qui sont là et qui disent oh, dis ça fait peur <laughs> dis t'es sûr que tu crois qu'on va faire ça euh, et puis, euh, vous avez votre cœur et votre corps qui veulent aller quelque part et votre tête ne veut pas. Vous savez, ces, ces dernières semaines, enfin non, pas ces dernières semaines, j'ai vécu un truc trop, trop drôle avec moi-même. Je me suis rendu compte hein, que ces deux dernières semaines, j'étais spectateur d'un conflit entre mon corps et ma tête. Ma tête me, me disait, oui, on va aller faire ça. Mon corps me disait, non, c'est hors de question. Et ma tête me dit, si, 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 on va faire ça. Et mon corps, il dit, oh, gros, déjà là, j'ai juste envie de rien faire. Et moi, j'étais là et j'observais cette bataille. Et ça pouvait être pour tout pour aller se balader, euh, par rapport euh, à mon travail, par rapport à ma fille, par rapport euh, à la nourriture. Et il y avait un qui voulait un truc, j'avais une dualité à l'intérieur et vous savez quoi, je les ai laissés se battre tous les deux en fait. Hein je les ai laissés faire. Je fais, oh les gars, vous commencez à me saouler en fait. Et, et j'ai été observateur et euh, c'est un petit peu comme, 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 comme j'ai ressenti ce moment de pause en fait euh, de moi-même, euh, de ne pas tout le temps prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Arrêtez de prendre parti pour un ou pour l'autre. C'est essayer de mettre une distance entre ça et vous-même. Ça a été pour moi un moment de repos, euh, de lutte euh, contre, contre moi-même, en fait. Euh, ça n'a pas été facile. Ça a été complexe. Euh, parce que déjà j'étais épuisée, hein, j'étais fatiguée de cette année et, et de tout ce que j'ai pu traverser et donc d'avoir en plus un conflit entre mon corps et ma tête c'était plus possible en fait je, je ne voulais pas euh, entrer en guerre euh, là-dedans et donc j'ai laissé faire euh, j'ai laissé faire ce truc moi j'ai juste fait que de me reposer j'ai euh, chillé pendant 15 jours Enfin, sauf la semaine passée où, où j'ai travaillé encore un peu, mais cette semaine j'ai rien foutu. Mais rien, littéralement, je n'ai rien fait, à part ma vaisselle. <laughs> je n'ai littéralement rien foutu. Ça m'a fait un bien fou. Et je les ai, je les ai laissés. Hein. Et même parfois pour manger, et ben vous savez ce que j'ai fait Il <laughs> y a des soirs, y a ma tête elle voulait des pâtes, mon corps il voulait de la salade. Et ben j'allais faire carrément autre chose. Je mangeais du pain où je mangeais de la soupe. Et je faisais totalement l'inverse que ce que l'un ou l'autre voulait. On se retrouve actuellement entre l'ancien et le futur, entre notre ancien nous et notre nouveau nous. Et donc, vous pouvez vous retrouver, en fait, dans ce même cas de figure que moi, où, euh, par exemple, vous avez faim, mais ce que vous mangez il y a quelques semaines ne, ne satisfait plus, en fait, votre corps. Mais vous ne savez pas, en fait, pour le moment. Vous êtes dans une transition. Et je vous en avais parlé. Ce changement vibratoire va amener des changements en nous. Cette désillusion et aussi ce côté où ce, que vous, ce qui vous animait, en fait, avant, qu'importe que ce soit la nourriture, que ce soit des films, que ce soit des personnes, euh, que ce soit un travail, eh ben, ne vous anime plus. Vos passions ne vous animent plus comme avant. C'est parce que vous changez. Et là, vous êtes dans une période transitoire de vous-même où ben, vous n'êtes ni dans le passé ni dans le présent. Laissez. Laissez faire. Il y a un moment donné où l'information viendra à vous. Mais si vous restez coincé dans vos schémas, de l'ancien parce que bah, vous avez toujours fait comme ça et que bah, pour le moment vous n'avez pas d'autres euh, alternatives, bah, vous allez nourrir en fait ce schéma-là. Et donc ne pas laisser de place à, à ces nouvelles opportunités, ces nouvelles choses qui pourraient venir à vous. Donc c'est de vous foutre la paix. Foutez-vous la paix et ce qui sera juste pour vous que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de, 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 de l'éveil de votre âme ou la nourriture de votre âme ou un nouveau travail ou dans vos relations, ça va venir. Mais si maintenant vous ne lâchez pas ces choses du passé, vous ne pouvez pas laisser la place à quelque chose de nouveau. Et laissez-vous le temps. D'accord Écoutez-vous, c'est tout au long du processus. Que vous pourrez en fait observer la réalité de votre conscience, votre conscience intérieure, mais aussi matérielle. Il y a des choses que vous ne voulez plus, mais vous les gardez, parce que c'est jamais. Voilà. Mais si vous les gardez, vous pouvez pas prendre quelque chose de nouveau pour le mettre à la place. Donc mettez en stand-by. Et attendez un peu. Là, on est dans une période où on nous demande de nous observer, d'observer tout le cheminement, d'observer ce qui se passe en nous. Et d'accepter aussi cette désillusion. Et ça, c'est le plus douloureux pour beaucoup d'être dans l'illusion de quelque chose et que du jour au lendemain, euh, cette croyance qui était ancrée, dure comme fer en nous, explose et réduise à néant en fait certains espoirs ou certaines attentes. Donc, sortez de vos attentes. Sortir de vos illusions petit à petit, sortir de vos croyances et laisser la place à la réalité de qui vous êtes. Laissez place à la magie, l'âme qui agit ici sur Terre. Plus vous allez lutter et plus vous allez souffrir. Apprenez à lâcher vos croyances, vos attentes, vos espérances. Gardez la foi que ce qui est juste pour vous arrivera à vous. C'est le plus difficile dans ce parcours. Parce que nous voulons certaines choses, nous attendons certaines choses. Alors que le bonheur, il est ici et maintenant. Et le souci, quand on attend ou qu'on espère et qu'on n'obtient pas, là vient la souffrance. Mais si vous sortez de ces illusions et de ces attentes, <coughs> il n'y a plus de souffrance. Juste la foi que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui est juste pour vous. Voilà. C'est mon message de fin d'année. Il est long. <laughs> et euh, voilà. Vous sachez euh, que, que je vous souhaite euh, le meilleur. Vraiment. Que vous retrouviez euh, votre authenticité, votre pouvoir intérieur. Que vous trouviez la paix en vous et euh, de rayonner. Voilà ce que je vous souhaite pour 2023. Donc voilà mes belles âmes, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. A bientôt.